Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On se retrouve pour cette dernière conférence du Salon Les Plumes de Lyon. Dernière conférence de la semaine, mais pas les moindres, parce que ce soir, on est avec Étienne Kern. Bonsoir, Étienne Bonsoir, on est là, bonsoir. Kern. Vous allez ce soir, alors je vais commencer par peut-être vous présenter, même si on a vu votre interview hier. Vous êtes un ancien normalien, vous êtes actuellement prof en CAGNE et en Hippocagne aussi, je ne sais pas, Oui. au lycée Édouard-Herriot, donc ça fait très longtemps que vous êtes à Lyon, et vous êtes l'auteur d'un livre récemment sorti qui s'appelle Le tu et le vous, mais vous êtes aussi l'auteur d'un livre sur les haines entre écrivains qui a été récemment réédité en format poche. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, vous allez nous raconter un petit peu l'histoire des amitiés et des haines d'écrivains. Entre écrivains. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Étienne Klein, qui va nous raconter un petit peu tout ça. Et puis, au fur et à mesure de la conférence, nous pourrons prendre des questions dans le chat, il n'y a pas de souci. Et nous en prendrons aussi à la fin. Voilà, bonne conférence à tout le monde. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Ornella. Oui, alors je précise simplement que je suis d'abord le co-auteur seulement de cette histoire des haines d'écrivains, puisque mon épouse l'a co-signée avec moi il y a plus de 10 ans maintenant. Alors effectivement, on pourrait se demander pourquoi s'intéresser à ce sujet, pourquoi des recherches et pourquoi un livre sur une question un peu repoussante, la question de la rivalité, de la haine, de la colère, du ressentiment, de la rancœur entre écrivains. Et je commencerai par avouer que c'est d'abord pour le plaisir de l'anecdote, pour le plaisir de tout ce qui peut apporter de la saveur, de la chair, de la vie à l'étude de la littérature. Par exemple, savoir que Proust, qu'on connaît évidemment comme le très très grand auteur de la recherche, savoir que Proust s'est battu en duel au pistolet avec un littérateur de l'époque qui s'appelle Jean Lorrain, qui est à peu près tombé dans l'oubli, en tout cas par rapport à Proust, eh bien, je trouve que ça apporte à l'œuvre de Proust une forme de couleur, de saveur. On imagine différemment en fait, cet auteur, savoir qu'il s'est battu en duel à pistolet, avec un pistolet. Et ce plaisir de l'anecdote se double souvent d'un plaisir de l'admiration, je dirais. Parce que chez les écrivains, qui sont des professionnels et des virtuoses de la plume, le coup bas prend souvent la forme du coup de maître. L'écrivain sait quelle formule va faire mouche, quelle formule brillante va terrasser l'adversaire en quelque sorte. Et ça donne lieu, par exemple, à des expressions comme le serpent a sonné, dont Victor Hugo gratifie Sainte-Beuve, l'un de ses adversaires les plus importants. Ou alors cette phrase de Jules Renard que j'aime énormément, et qui dit en gros, à propos d'un écrivain de l'époque, oh oui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais je ne sais pas si cette admiration va résister à une première lecture, ce qui est une formule très savoureuse, pleine de sous-entendus, et tout à fait admirable. Mais au-delà du plaisir de l'anecdote, du plaisir de l'admiration, du bon mot, etc., il est évident que les haines d'écrivains ont des leçons à nous donner, ont des choses à nous apprendre sur la vie littéraire. Et peut-être aussi plus généralement sur la psychologie humaine, même si c'est évidemment un très grand mot. Les haines d'écrivains nous permettent de cartographier la vie littéraire, de savoir à peu près ce qui se passe à l'Académie française, dans les journaux, dans les salons, chez les éditeurs. Et on voit s'animer d'un coup tout un monde avec des problématiques un peu différentes selon les endroits et puis évidemment les époques. Et plus généralement encore, cette cartographie de la vie littéraire nous permet de prendre conscience de la profonde vérité de cette idée formulée entre autres par Hegel, qui veut que c'est en s'opposant aux autres qu'on se pose. On se pose en s'opposant. Le grand moteur, ou l'un des grands moteurs de la littérature, c'est l'émulation. C'est la volonté de faire mieux. J'ai souvenir d'une conférence de Michel Tournier qui, il y a plusieurs années, disait que, selon lui, toute œuvre d'art est une invitation à faire et à faire mieux. Et c'est tout à fait comme ça que Victor Hugo, comme on sait, quand il a 13-14 ans, écrit dans un carnet « Je veux être Chateaubriand ou rien. Faire comme Chateaubriand et, si possible, faire mieux que lui. »
Et on voit du coup surgir souvent chez les écrivains l'idée que la rivalité, la colère, sont comme une muse, quelque chose qui serait nécessaire à l'écrivain ou à l'artiste. Baudelaire a une formule très puissante qui est la haine est une liqueur précieuse, un poison plus précieux que le poison des Borgias, dit-il. La haine est une liqueur précieuse. Précieuse parce que c'est pour Baudelaire la muse, en fait, la liqueur magique qui va permettre au poète ou à l'auteur d'écrire. Mais alors Bien finalement, je sûr. me permets de vous couper, mais finalement, qu'est-ce qui motive cette haine entre écrivains? Qu'est-ce qui la nourrit? Oui, alors, qu'est-ce qui suscite la haine entre écrivains? Beaucoup de choses en réalité. Bon, alors, il y a toutes ces haines qui existeraient aussi si les écrivains n'étaient pas écrivains. Il y a des raisons en quelque sorte humaines, trop humaines, des raisons de jalousie évidemment, des raisons qui souvent sont liées à des relations amoureuses. Je vais prendre un exemple, ce sera peut-être le plus parlant. J'ai nommé tout à l'heure Sainte-Beuve et j'ai dit que Hugo l'appelait le serpent à son nez. Parce que Sainte-Beuve, on le connaît comme critique, mais Sainte-Beuve a aussi écrit des recueils de poèmes où il y a des sonnets. Bon, à l'époque où Hugo a ces mots très durs contre Sainte-Beuve, en fait, leur relation a considérablement évolué en mal à cause ou grâce à Adèle Hugo, qui est l'épouse de Victor et la maîtresse de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve fréquente les Hugo à partir des années 1820. Il est en admiration totale d'abord pour Victor Hugo et petit à petit, il se prend d'affection et d'amour en réalité pour Adèle, l'épouse de son idole. Comme Hugo à ce moment-là a travaillé à construire sa gloire et qu'il est très occupé, lointain, etc., Adèle trouve une forme de consolation dans la présence de Sainte-Beuve. Et voilà qu'en 1831-32, Sainte-Beuve et Adèle Hugo deviennent des amants. À ce moment-là, Sainte-Beuve se montre de plus en plus critique avec Sainte-Beuve. Ah, pardon, c'est un lapsus de ma part. Sainte-Beuve se montre de plus en plus critique avec Hugo dans ses travaux journalistiques. Concrètement, Sainte-Beuve démolit les recueils publiés par Hugo. Et ce net refroidissement se nourrit en fait d'une raison très, très, très humaine, qui est celle de l'amour, de la rivalité amoureuse liée à Adèle Hugo. J'enchaîne juste sur une petite idée qui me paraît très étonnante en fait et révélatrice avec cette relation entre Sainte-Beuve et Hugo. C'est que Victor Hugo est au courant. Victor Hugo se fait une raison. Et lorsque, en 1833, Hugo devient l'amant de Juliette Drouet, qui sera sa maîtresse toute sa vie en réalité, il se passe quelque chose de très étonnant, c'est que Sainte-Beuve se met à se désintéresser d'Adèle. C'est-à-dire qu'Adèle Hugo perd de son prix aux yeux de Sainte-Beuve. Au moment où Hugo va voir ailleurs avec sa maîtresse Juliette. C'est une étrange, étonnante mise en pratique des théories de René Girard sur le désir mimétique. Comme si ce que Sainte-Beuve désirait chez Hugo, c'est ce que Hugo a, c'est-à-dire au début l'amour d'Adèle. Et au moment où Hugo se désintéresse de cette espèce de trophée qui est pour lui Adèle, eh bien Sainte-Beuve s'en désintéresse aussi. En fait, comme dit René Girard, on ne désire que ce que l'autre désire aussi. Et donc si Hugo ne désire plus Adèle, eh bien elle perd de son prix. Et ça conduit Sainte-Beuve et Adèle Hugo à la rupture. Bon, je m'égare un petit peu des rivalités amoureuses. Et je reviens à la question de départ. Qu'est-ce qui suscite la haine entre écrivains? Alors au-delà de ces raisons humaines, la jalousie, l'amour, il y a évidemment des raisons beaucoup plus dignes, j'allais dire, des raisons idéologiques, politiques, morales. Par exemple, on sait que Baudelaire, auteur des Fleurs du Mal, qui suscite un procès en 1857, Baudelaire a énormément de mépris pour George Sand. Pour George Sand, qui incarne, par opposition à Baudelaire, une littérature moralisatrice. Une littérature, non pas du bon sentiment, ce serait injuste et cruel de dire ça, mais une littérature qui veut moraliser, qui veut apprendre la vertu à un lectorat, et singulièrement un lectorat ouvrier, visé par George Sand. Eh bien, il y a un texte de Baudelaire
qui dit à propos de George Sand, si je la rencontrais, je ne pourrais pas m'empêcher de lui jeter un bénitier à la figure. George Sand, c'est de l'eau bénite, c'est quelque chose moralisant, spirituel, enfin au sens religieux. Et tout cela écœure en quelque sorte Baudelaire. Mais au-delà encore de ces raisons idéologiques, politiques, morales, personnelles, évidemment, les raisons de haine les plus intéressantes, les plus fécondes aussi, sont les raisons esthétiques. Les désaccords et les rivalités qui sont vraiment nourries par des divergences sur ce que doit être la littérature, sur la manière dont il convient d'écrire, etc. Et finalement, c'est la logique même de l'histoire littéraire, hein. On apprend à l'école que, je sais pas, le romantisme se construit contre les Lumières, que le réalisme se construit contre le romantisme, etc. Et cette logique de construction contre le mouvement précédent, eh bien, se vérifie à l'échelle des auteurs. Par exemple, pour la question du style, il y a un texte extraordinaire où Stendhal s'en prend au style de Victor Hugo dans ses romans, et à contrario, un autre texte tout aussi extraordinaire où Hugo s'en prend à Stendhal avec une mauvaise foi extraordinaire en disant que le rouge et le noir, c'est écrit en patois, où l'on voit que l'attaque de l'autre, ici sur la manière d'écrire, permet finalement à l'auteur de mieux cerner ce qu'il veut faire lui-même et de mieux définir sa propre esthétique. Au-delà de la question du style dont je viens de parler avec Stendhal, on pourrait penser au romantisme, au romantique en général. Peu d'auteurs ont été autant attaqués, moqués, critiqués que les romantiques par finalement les auteurs un peu plus jeunes, par la génération suivante qui se construit contre cet héritage. Flaubert notamment, qui littéralement incarne un projet romanesque, roman réaliste entre guillemets, même si lui-même n'accepte pas cette étiquette, et qui incarne aussi moralement une forme de regard très ironique, très cynique porté sur le monde, eh bien, Flaubert passe son temps, notamment dans ses lettres, à marquer l'écart entre lui, entre ce qu'il écrit et ce que les romantiques pouvaient faire un petit peu avant. Par exemple, Flaubert a des mots très durs sur Lamartine, en disant que Lamartine est un esprit eunuque, ou encore que, entre guillemets, la couille lui manque. Ce qui est d'ailleurs assez troublant, hein, de considérer que la valeur d'une œuvre se mesure à son degré de virilité supposé, mais enfin, on est au XIXe siècle. Et c'est pareil donc chez Flaubert pour d'autres romantiques comme Musset, comme Vigny, d'autant plus que plusieurs de ses lettres sont adressées à Louise Collet, la célèbre correspondante et maîtresse de Flaubert, qui par ailleurs a d'abord été la maîtresse enfin, de plusieurs auteurs peu connus, mais un peu après aussi de Musset, mais aussi de Vigny, et que Louise Collet en fait gravite dans cette sphère romantique. Et donc quand Flaubert s'en prend si cruellement, spirituellement, un peu comme on veut, au romantique, c'est aussi une manière pour lui d'avoir une relation un peu complice, en fait, avec Louise Collet. Verlaine me traverse l'esprit à présent, donc une dernière anecdote, si vous le voulez bien, sur des rivalités qui tiennent à des raisons esthétiques. Quand Verlaine commence sa carrière de poète, dans les années 1860, il s'inscrit dans le sillage du Parnasse. Il est parnassien, comme le comte de Lisle ou le vieux Gautier, par exemple. Même si, de l'intérieur, il est assez critique avec le Parnasse. Mais enfin, c'est une autre question. Verlaine est lancé par le Parnasse. Et voilà que, à la fin des années 1860, Alphonse Daudet, qu'on connaît comme étant plus tard l'auteur des Lettres de Montmoulin, mais qui à l'époque est très jeune, hein, il n'a pas du tout encore écrit ça, eh bien, Alphonse Daudet publie un petit recueil de parodies contre le Parnasse, et il appelle ça le Parnassiculé, avec un diminutif infamant pour la poésie parnassienne. Et évidemment, il tourne en dérision la poésie parnassienne, qui est une poésie extrêmement savante, extrêmement livresque, hein, qui va nous parler de mythologie, et si possible, mythologie très lointaine, pas simplement les Grecs et les Romains. Donc Daudet se moque du Parnasse. Et on a un témoignage qui raconte qu'en 1866, Verlaine, qui sort d'un café, aperçoit Alphonse Daudet dans la rue, dit quelque chose comme « Ah, le voilà, le cochon, c'est lui », se précipite vers lui et lui assène un gigantesque coup de poing dans le dos. Donc Verlaine a frappé Alphonse Daudet pour un désaccord
esthétique. Bon, Verlaine est assez coutumier du fait, hein. C'est que Verlaine, un jour, essayait de poignarder Anatole France, qui lui aussi est tout jeune à l'époque, parce qu'Anatole France s'est endormi pendant une séance de lecture publique où Verlaine lit des vers d'une de ses œuvres, La Bonne Chanson. Et il y a évidemment l'épisode légendaire, enfin légendaire, même s'il est tout à fait réel, du fameux coup de feu tiré par Verlaine contre Rimbaud en 1873 à Bruxelles. Et bon, c'est un cas un peu particulier, puisque là, on est vraiment dans une relation amoureuse, passionnelle, et pas une simple rivalité littéraire. Bon, Verlaine est coutumier, donc des accès de violence, et c'est un cas très particulier. C'est rare en réalité, dans le 19e siècle français, que la rivalité littéraire prenne une forme physique. Il y a quelques duels, il y a quelques coups de poing, comme celui de Verlaine, mais dans l'immense majorité des cas, la rivalité passe par les mots. C'est-à-dire qu'elle est canalisée, qu'elle est sublimée, qu'elle est rendue inoffensive. Et surtout qu'elle est rendue féconde. Cette haine qui passe par les mots va devenir un moteur, en fait. Et je retombe sur cette idée qui veut que la haine soit précieuse pour les auteurs et qu'elle soit féconde. Il y a peut-être des questions, on est là. Oui, on a une question, Oui. une question d'Anaïs qui demande comment en fait expliquer cette véhémence, pourquoi est-ce que les écrivains sont si critiques entre eux sur des questions finalement de style et d'esthétisme qui varient en fait selon les gens qui sont très subjectifs. Alors, je ne sais pas si les écrivains détestent plus que n'importe qui. Je dirais plutôt qu'ils se détestent autrement. Ils se détestent autrement. Bon, d'abord parce qu'il y a cette virtuosité verbale que tout le monde n'a pas pour attaquer l'autre. Mais surtout, ils se détestent autrement parce que leur rivalité a quelque chose d'un peu surjoué, comme une forme de comédie. Il y a une phrase de Jules Renard qui dit en gros, c'est quand même étonnant comme entre écrivains, on peut s'aimer tout en se débinant. Alors, en fait, on s'adore, mais on se tape dessus tout le temps. Parce qu'il y a une forme de spectacle, de comédie mondaine, surtout au 19e siècle, hein, on est dans une société de représentation, avec les salons, il faut se montrer, on se retrouve en public, etc. Donc il y a une part de jeu. Il y a aussi la violence concrète. Hein. Je veux dire, c'est sûr que quand Verlaine, mais bon, il faut dire qu'il était ivre aussi. Hein. Au moment où Verlaine s'en prend à Daudet, on est dans une violence indéfendable. Mais quand Flaubert a un bon mot en disant que voilà, Musset est encore ivre, il faut qu'il arrête de boire parce que l'alcool, c'est pas bon pour les cerveaux, il essaie de faire sourire un public en réalité. Et il y a un public pour les littéraires parce que il y a un tel prestige de l'écrivain, surtout en France, hein, cette image légendaire du grand écrivain, que souvent eh bien, les journaux se font l'écho de ces rivalités. Une chronique mondaine, un tel a dit que l'autre était un mauvais écrivain, etc. Donc il y a une dimension spectaculaire et ludique qui fait que cette haine est aussi une forme de camaraderie, en fait. D'accord. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on peut avoir l'impression aujourd'hui qu'ils ont trouvé et cherché toujours le bon mot Oui. pour s'exprimer, parce qu'en fait, il y avait une sorte de mise en scène. Donc, Oui. d'accord. D'accord. Donc nous, vous étiez en train de parler d'une fécondité de Oui. Taine entre écrivains. Qu'est-ce que ça apporte finalement dans la plume des écrivains, tout ça? Alors là aussi, on peut répondre en suivant plusieurs fils, plusieurs pistes. Pour prolonger ce que j'ai dit de cet aspect spectaculaire, on pourrait considérer qu'il y a une dimension sociologique qui concerne vraiment la vie de l'écrivain de manière très, très concrète. La rivalité permet aux écrivains d'exister un peu plus dans le champ littéraire. Être détesté, être critiqué, c'est une manière, en fait, d'avoir une place, d'avoir un prestige important. Hugo dit à un moment qu'être contesté, c'est être constaté. Et il ajoute que pour lui, être haï est un honneur. J'ai l'honneur d'être un homme haï, dit Hugo, parce que ça veut dire que considère que je suis un point de repère, quelque chose qui compte suffisamment pour qu'on consacre de l'énergie à le critiquer. Mais quand on y pense, c'est valable aussi pour la haine active et non pas la haine subie.
Être détesté est une manière d'être constaté, comme je l'ai montré avec Hugo, enfin je l'ai dit avec Hugo, mais on peut aussi considérer que critiquer les autres, les attaquer publiquement, écrire des articles méchants, hein, tout simplement, ou faire des bons mots qui vont être applaudis, etc., c'est aussi une manière d'exister dans le champ littéraire, de se construire contre l'autre, de faire parler de soi, et on voit parfois des écrivains qui vont jusqu'à construire une sorte de personnage, le personnage du méchant, en fait. Je sais pas, je veux dire, dans la littérature contemporaine, un écrivain comme Frédéric Becbédé, qui tient une chronique savoureuse, enfin, très, très brillante et géniale en réalité dans Le Figaro magazine, je crois, la plupart du temps, comme des critiques avec les écrivains dont il parle. Et ça fait partie de son charme, ça fait partie de son personnage, personnage public. Pour prendre un autre exemple, enfin, c'est juste une analogie, c'est pas une comparaison du tout avec Becbédé, mais Céline, au début du XXe siècle, s'est fait une sorte de spécialité du personnage du fou furieux qui va taper sur tout le monde. Il y a un texte hallucinant de Céline contre Sartre, en disant que Sartre est une ventouse baveuse, enfin, ça devient ordurier, c'est délirant, mais ça fait partie du personnage marginal, en fait, hein, cultivé par Céline, une sorte de poète maudit du XXe siècle. Bon, donc ça, c'était la réponse en quelque sorte sociologique. La haine active ou subie permet d'exister dans le champ littéraire. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus intéressant, parce que ça concerne les œuvres elles-mêmes, et donc les textes qu'on va lire. Et là, on peut remarquer que la haine, parfois fournit des idées, en fait. La rivalité fournit des idées aux écrivains, fournit des motifs de caricature, de parodie. Il y a un exemple fameux dans Madame Bovary de Flaubert. Il y a un passage qui est extrêmement drôle quand on lit entre les lignes, où Emma Bovary est à Rouen avec son amant Léon, et ils font une promenade en barque. Et ils sont sur l'eau, et la description qui est faite de l'eau est répugnante. Il y a une flaque d'huile qui flotte, il y a des ouvriers qui font du bruit. Bref, on n'a pas très envie d'être dans cette barque. Et voilà que Emma se met à réciter le lac d'Alphonse de Lamartine, donc l'un des ennemis, en fait, habituels de Flaubert. Emma récite de Lamartine, et comme ça crée un contraste entre la réalité de la situation et la beauté des vers lamartiniens, on voit que, pour Flaubert, c'est une manière de tourner en dérision Lamartine, se moquer de lui. Bon, là, c'est presque anecdotique, c'est savoureux, mais on n'est pas encore au cœur du processus créatif. Alors que ça peut aller jusque-là. Il y a des cas où la rivalité entre auteurs est finalement ce qui explique l'apparition même de l'œuvre. Edmond de Goncourt, qui donne son nom plus tard au prix Goncourt, dit quelque part que la colère, je ne sais plus si c'est la colère ou la haine, la rivalité, enfin un mot, en tout cas un synonyme, c'est très précieux pour l'écrivain parce que ça met un peu de colère dans son travail. Ça met un peu de colère dans son travail, concrètement, ça le motive, quoi. C'est-à-dire quand il y a une baisse de motivation de l'écrivain, se dire qu'il va symboliquement trucider tel adversaire, ça peut lui donner du cœur, de l'énergie. Et il y a dans la littérature française du 19e siècle, pardon, un exemple très important, parce que c'est l'un des chefs-d'œuvre du roman du 19e siècle, c'est Le Lys dans la vallée de Balzac. Le Lys dans la vallée, ça date, je crois, de 1836, enfin, en tout cas les années 1830. Et en gros, c'est l'histoire d'un jeune héros sentimental, Félix, qui est fou d'amour pour une femme mariée, la comtesse de Mortsauf, qui est très, très pieuse, une figure maternelle, etc. Et à la fin du roman, Madame de Mortsauf, qui est en train de mourir, adresse une lettre d'amour fou au jeune Félix en lui disant que son amour était réciproque. Que toute sa vie, elle a lutté contre cet amour parce qu'elle est mère de famille, mais qu'en fait, elle brûlait d'amour pour Félix. En fait, ce roman est une réécriture d'un roman de Sainte-Beuve que j'ai mentionné tout à l'heure dans sa rivalité avec Hugo. Mais Sainte-Beuve avait aussi des relations très tendues avec Balzac. Parce que comme Sainte-Beuve est très critique, en fait, dans les articles de presse qu'il consacre à l'époque à ses contemporains, il s'en est pris aussi à Balzac. Et quand, en 1834, Sainte-Beuve publie un roman,
qui s'appelle Volupté et qui raconte en fait la même histoire que Lys dans la vallée, mais 2 ans avant, c'est-à-dire l'histoire d'un amour impossible pour un jeune homme et une femme mariée. Balzac trouve le roman absolument raté. Et il a une formule extraordinaire qui est consignée par un témoin, qui est « Je lui passerai ma plume au travers du corps, je referai volupté. » Et donc il écrit « Le Lys dans la vallée », qui est une réécriture, en 100 fois mieux, de volupté, et c'est vécu par Balzac comme un projet qui consiste à transpercer de sa plume son adversaire Sainte-Beuve. Et donc là, la haine s'est faite féconde, elle a été sublimée, dans une œuvre qui est en réalité une œuvre merveilleuse. Voilà. Peut-être aussi qu'il y a une autre fécondité qui est celle des critiques constructives. Souvent, des auteurs disent que finalement, c'est parce qu'ils ont été soumis à plein de critiques que ça les a forcés à travailler plus, travailler différemment. Enfin, j'ai l'exemple de Mauriac qui me vient en tête. Mauriac a dit à un moment que c'est peut-être à Sartre, avec qui il s'entend très mal, c'est peut-être à Sartre qu'il doit son prix Nobel, parce que Sartre avait été très critique dans un article de presse avec le roman de Mauriac, et Mauriac a dit que les critiques de Sartre l'ont fait réfléchir et l'ont invité à travailler davantage tel point romanesque. Du coup, dans une logique à la fois d'émulation, mais aussi de très belle humilité, en fait, face aux leçons qu'on peut tirer des critiques formulées par d'autres auteurs. Alors, je vais vous transmettre une autre question Oui. du chat, une question de Clotilde. Alors, je suis sûre d'en avoir saisi le sens. Je vais essayer de rester fidèle à ce qu'elle voulait dire. En fait, elle vous demande si ces rivalités ne sont pas aussi un moyen pour les auteurs, donc au 19e, j'imagine, de renforcer les liens entre leurs lecteurs. Je pense qu'elle essaie de vous demander s'il y avait vraiment des communautés. Pas de fans, mais de gens qui admiraient tel ou tel auteur, un peu comme aujourd'hui avec certains artistes. Et est-ce que c'est les auteurs cherchaient justement à entretenir ces communautés? Oui. L'écrivain rockstar, ça apparaît au XIXe siècle. Ça apparaît au tout début, à l'époque romantique, avec, bon, à l'échelle européenne, Walter Scott ou Byron, qui sont des légendes, hein. Et en France, Victor Hugo. Victor Hugo construit sa légende tout de suite. À 25 ans, il est déjà quasiment, enfin, pas reconnu par tout le monde, mais reconnu par un groupe d'ugolâtres, d'adulateurs, qui vont le défendre tout le temps. Et donc, quand telle personne critique Hugo, cette personne sera attaquée par 10 personnes en échange. Donc, on peut considérer que ça permet effectivement à l'auteur de resserrer les rangs, en fait, dans un groupe autour de lui. Alors, il y a le cas de Hugo, mais il y a plus généralement le cas des mouvements littéraires. Bon, pour le romantisme en général, alors je retombe sur Hugo, mais bon, il y a la fameuse bataille d'Hernani en 1830, je veux dire, il y a tous les romantiques autour de Victor Hugo. Même Balzac, qui paraît-il s'est pris un trognon de pomme à la figure pendant la bataille d'Hernani, mais c'est pas sûr. Bon. Ou le cas du Parnasse dont je parlais tout à l'heure avec Verlaine. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a un rapport, pas forcément au lectorat lointain qui par définition est inconnu, mais aux disciples du premier cercle, puisque beaucoup des auteurs tiennent salon en réalité. Mallarmé tient salon chez lui, Le Condélic tient salon, et donc il y a des disciples autour d'eux. Zola tient salon, enfin. Oui, d'autant plus que j'imagine que les lecteurs les plus assidus sont aussi ceux que les auteurs fréquentent, c'est-à-dire à Paris, pas forcément on va dire le français en moyen du 19e siècle, qui a d'autres préoccupations, j'imagine. Donc c'est plus facile aussi Oui. d'en C'est convenir de vrai que cette l'histoire façon. des Liens d'écrivain, c'est très largement une histoire du Paris littéraire. Oui. Sauf quelques exceptions comme Rimbaud et Verlaine qui voyagent ou Jules Verne, enfin, mais c'est des cas assez rares. Alors vous avez parlé voilà, de la fécondité de tout ça.
Est-ce que vous avez des choses, vous disiez que vous avez écrit ce livre il y a 10 ans Oui, ça fait maintenant, longtemps. est-ce qu'il y a des choses dans ce livre, et peut-être en ayant travaillé un petit peu plus pour vos cours, etc., que vous aimeriez rajouter à ce que vous avez écrit, que vous avez découvert par la Oui, vous suite? m'invitez à juste titre à faire mon autocritique, parce que la haine de soi, c'est important aussi. C'est un moteur aussi pour avancer. Non, mais c'est vrai, effectivement, ça fait déjà 11 ans. Et pour tout dire, je crois qu'on aurait procédé un peu différemment aujourd'hui, avec le recul. On a quelques regrets, ma femme et moi, pour cet ouvrage. D'abord, c'est une histoire des haines d'écrivains de Chateaubriand à Proust. Une espèce de grand 19e siècle, mais enfin que du 19e siècle. Parce qu'à l'époque, on avait 25 ans, on était un peu effrayés par la masse de choses à lire pour faire ça. On s'en est tenu au 19e siècle pour avoir quelque chose d'unitaire, le même monde en fait, hein, de Madame Récamier et Madame Verdurin en quelque sorte. Mais en fait, au 18e siècle, on aurait eu, par exemple, Rousseau et Voltaire, ça aurait été passionnant de raconter comment. C'est quand même Voltaire qui a révélé publiquement, à travers un libelle anonyme, que Rousseau avait abandonné ses enfants. Donc tous les problèmes de Rousseau sont provoqués, enfin non, parce qu'il a fait, mais sont accentués par la révélation qui vient de Voltaire. Et quand on regarde en aval chronologiquement, c'est vrai qu'on a le regret de ne pas s'être penché sur Sartre et Camus, Sartre et Malraux, toute scène féroce en fait du XXe siècle. Qu'on a un peu travaillé après coup. D'autre part, c'est une histoire d'haine en France seulement. Et là aussi, je veux dire, ça fait 11 ans que, quoi qu'on lise, on tombe sur des exemples qui seraient parfaits, en fait, pour une histoire plus large. Hemingway, Fitzgerald, par exemple. Ou, pour prendre un exemple un peu plus récent et qui est quand même extraordinaire, Vargas Llosa et Garcia Marquez. Parce que c'est quand même l'histoire du coup de poing le plus légendaire de l'histoire de la littérature mondiale. C'est encore autre chose que Verlaine et Alphonse Daudet. On est en 76 à Mexico, au Palais des Beaux-Arts de Mexico. Garcia Marquez est là, donc très grand auteur, 100 ans de solitude, etc. Vargas Llosa est là aussi, et ces deux auteurs sont censés être les meilleurs amis du monde. Ils s'appellent même les presque frères. Et pendant quasiment 10 ans, ils ont effectivement été inséparables. Ils ont même habité dans le même pâté de maison à Barcelone, vers 70-71. Et voilà qu'en 76, au Palais des Beaux-Arts de Mexico, donc, Vargas Llosa fonce vers Garcia Marquez et il lui file un coup de poing dans la figure. Vraiment un gros coup de poing. On a des photos de Garcia Marquez avec un œil au beurre noir. Donc, Garcia Marquez est tout sourire sur la photo. Enfin, vous la trouvez facilement sur Internet, c'est une très belle photo de Garcia Marquez avec un œil au beurre noir. Et c'est l'histoire d'une amitié brisée qui vire à la rivalité, à la violence physique, pour des raisons qui en fait ne sont pas très claires. Il y a eu un désaccord politique entre Vargas Llosa et Garcia Marquez, qui au début étaient partisans de Castro tous les deux, puis Vargas Llosa a évolué de plus en plus vers la droite. Mais surtout, on pense, une rivalité purement personnelle, parce que des témoins ont entendu à l'époque Vargas Llosa dire qu'il a fait ça pour Patricia. Et Patricia, c'était Madame Vargas Llosa à l'époque, la femme de Vargas Llosa. Et donc, il y a plein d'hypothèses. Est-ce que Garcia Marquez et la femme de Vargas Llosa ont une relation? Est-ce que Garcia Marquez a révélé à la femme de Vargas Llosa que Vargas Llosa a fait telle ou telle chose, par exemple qu'il l'a trompée? Est-ce que, il y a des gens qui pensent ça, est-ce que Garcia Marquez a conseillé à Madame Vargas Llosa de divorcer? Bref, il y a une histoire très personnelle, mais qui demeure, ou peut-être que je me trompe, mais qui, il y a quelques années, demeurait encore mystérieuse. Vargas Llosa lui-même a dit, à la mort de Garcia Marquez en 2014, qu'ils avaient passé un pacte entre eux, c'était de ne jamais révéler la véritable raison du coup de poing, et que Vargas Llosa ne le révélerait pas. Alors peut-être qu'entre-temps, il y a eu une fuite, je ne sais pas. Mais bon, voilà, un exemple de violence plus récent, avec pour Vargas Llosa un auteur qui est toujours en vie et qui est quand même un auteur extraordinaire. Donc voilà, on a des regrets sur le corpus, d'un point de vue à la fois chronologique et spatial. Mais le plus gros regret qu'on a, mais celui-là, on a essayé de le corriger un petit peu,
c'était de donner en fait une image partielle de la vie littéraire, en axant notre bouquin, bon c'était son sujet, mais en axant notre peinture de la vie littéraire sur les seules rivalités. Alors que, en cherchant bien, on peut trouver un certain nombre d'amitiés, de très belles camaraderies entre auteurs qui sont d'autant plus belles et touchantes qu'elles sont rares. Plein de moments bouleversants en réalité. Enfin, je pense que le premier exemple qui me vient, c'est quelque chose qu'a fait Victor Hugo quand Nerval est mort en 1855. À cette date, Hugo est exilé. Il est à Guernesey, dans les îles anglo-normandes. Il n'est pas à Paris. Nerval doit être enterré à Paris. Quand Hugo apprend la mort de Nerval, il active ses réseaux à Paris pour que le nombre de personnes qui vont porter le cercueil de Nerval soit un nombre impair, qu'il y ait, je ne sais plus, 3 ou 5 personnes qui portent le cercueil et pas un nombre pair comme on fait normalement. Et Hugo explique qu'il veut qu'on voit son absence. Parce que si il avait été à Paris, eh bien il aurait été là pour porter le cercueil de Nerval. Et je trouve que cet hommage, cette fidélité à Nerval après la mort, je trouve ça magnifique et bouleversant. Enfin, il y a plein d'autres exemples. Souvent d'ailleurs très, très drôle en fait. Il n'y a pas que l'exemple pathétique de Nerval. Tolstoï, qui n'est quand même pas quelqu'un de très marrant. Eh bien, Tolstoï a été aperçu en train de faire de la balançoire avec son ami Turgenev dans son domaine de Yasnaya Polyana en 1878, alors qu'ils ont tous les deux quelque chose comme 60 ans, une longue barbe blanche, les cheveux blancs, enfin, une forme de retour en enfance joyeux, quoi, où deux très grands auteurs russes oublient tout le temps d'un moment de très franche et très belle complicité. J'ai parlé de poulet froid dans ma petite vidéo l'autre jour, il faut quand même que je précise. Là, pour le coup, ça concerne George Sand et Flaubert, qui, alors que à peu près tous les opposent, ont pendant quelques années eu une très belle camaraderie, qui s'appelait même les deux troubadours, les deux chanteurs, les deux poètes, comme au Moyen-Âge. Notamment, ils s'invitaient chez eux. Donc, George Sand est allé plusieurs fois. C'était une bêtise. Au moins une fois, à Croisset, près de Rouen, chez Flaubert, tandis que Flaubert est allé plusieurs fois, pour le coup, j'en suis sûr, à Nohant, chez George Sand. Et c'est par des lettres et des agendas remplis par les deux auteurs qu'on a quelques précisions sur la manière dont ils occupaient leur temps là-bas. Et en fait, ils occupent leur temps à se lire leurs textes. Flaubert a lu L'éducation sentimentale à George Sand, et ils passaient leur temps aussi, tout simplement, à parler et à refaire le monde dans la joie d'échanger, de parler. Et les heures passent, et à un moment, alors qu'il est 2 ou 3 heures du matin, Flaubert et Georges Sand, ben, ont faim, tout simplement, descendent dans la cuisine, trouvent un morceau de poulet froid et partagent un repas nocturne comme ça, avant de retourner au salon, continuer à parler, et presque toute la nuit, y passe. Et finalement, ces amitiés littéraires bon, sont rares, mais sont aussi très fécondes dans l'histoire littéraire. Si la haine est une muse, une liqueur précieuse, comme dit Baudelaire, l'amitié aussi. L'amitié est aussi quelque chose qui peut pousser des auteurs à écrire, à se dépasser, tout simplement parce que des auteurs se donnent des conseils mutuellement, ou se relisent des textes mutuellement. Par exemple, on sait que c'est Cocteau qui a suggéré à Jean Genet le dénouement de sa pièce Les Bonnes. Aussi parce que souvent des auteurs adresse des textes aux autres auteurs, notamment chez les poètes. Une partie de l'œuvre de plusieurs poètes est composée d'épîtres, d'épîtres en vers ou pas en vers, et de poèmes adressés à un autre poète. Et du coup, l'amitié devient le sujet même de l'œuvre, et donc forcément pousse l'auteur à écrire. Et on a des exemples absolument magnifiques chez Césaire et Senghor, qui incarnent peut-être l'amitié la plus frappante de l'histoire littéraire, parce qu'elle dure 70 ans. C'est la plus longue des amitiés littéraires, et puis elle est extrêmement forte parce qu'elle est dépassée par. Enfin, c'est pas simplement une relation entre deux personnes, mais c'est tout le projet de la négritude qui est porté par cette amitié. Donc, tout un projet esthétique, toute une conception de la civilisation, en fait, qui est portée par cette amitié. Et donc, ces deux poètes échangent des poèmes. Et l'un des derniers textes écrit par Césaire, à la fin des années 80, l'un des derniers poèmes. C'est un hommage à son ami Senghor.
Ça s'appelle Diali. Diali, c'est le chanteur, hein, le, quelque chose comme ça. Et c'est un texte très beau où Senghor est qualifié de diseur d'essentiel, celui qui dit l'essentiel. Le diseur d'essentiel. Et c'est à un autre poète que ce poème doit le jour. C'est Daniel Maximin, qui est un poète antillais, comme l'était Césaire, qui vit à Paris et qui est quelqu'un d'admirable et d'adorable, enfin, quelqu'un d'extraordinaire. Et Daniel Maximin, à la fin des années 80, alors qu'il animait une émission sur France Culture, a voulu recueillir le témoignage de Césaire sur Senghor. Et Césaire lui dit, d'accord, ok, viens avec ton magnétophone. Et quelques jours plus tard, quand Maximin va chez Césaire, Césaire lui dit, non, en fait, non, j'ai rien à dire. Je ne parlerai pas de Senghor. Par contre, j'écris un poème. Parce qu'à relire Senghor, je me suis rendu compte que il fallait absolument que je fasse ce poème. Et donc, je vais te lire ce poème. Et je trouve ça très beau que ce qui aurait dû être un vulgaire reportage, entre guillemets, quelque chose d'éphémère, est devenu l'un des plus beaux poèmes de Césaire. S'il n'y a pas de questions, je peux enchaîner sur... Alors non, il y a pas. J'étais en train de regarder. Non, il n'y a pas de questions, effectivement. Mais justement, vous parliez de ces histoires d'amitié. Je sais que vous avez écrit un livre par la suite pour parler des amitiés entre écrivains. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter quelques Oui. anecdotes Alors, je ne sais plus, c'était sur il y les a idées? 3-4 ans, bon, je sais plus, 2017, 2018 peut-être. Ce livre s'appelle Le crâne de mon ami. Je reviens sur le titre, mais juste avant cela, je voudrais quand même dire que c'est Michel Tournier qui est à l'origine de ce livre, parce que entre le livre sur les haines d'écrivains et celui-là, on a écrit un ouvrage, avec ma femme toujours, sur les parents d'écrivains, une histoire des parents d'écrivains. Et l'idée, c'était de voir comment des gens normaux, en fait, peuvent considérer la vie littéraire. Concrètement, comment des parents réagissent quand leur fille ou leur fils leur annonce qu'il veut tout plaquer, qu'il sera pas notaire, qu'il sera pas prof, avocat ou autre, mais qu'il sera saltimbanque, artiste, marginal, poète maudit, enfin tout ce qui peut faire peur à des parents. Et dans le cadre de ces recherches, on a eu la chance d'être reçu par Michel Tournier, chez lui, c'était en 2010. Et Michel Tournier... Est-ce que vous pouvez préciser qui est Michel Tournier pour les Voilà, gens qui Michel ne connaissent pas? Tournier a reçu le prix Goncourt en 70 pour Le Roi des Aunes. Donc c'est un très grand romancier qui est décédé maintenant, mais qui est le seul auteur dans l'histoire du prix Goncourt qui a eu le prix Goncourt à l'unanimité. C'était en 70 pour Le Roi des Aunes. Donc de nombreux romans qui sont très importants et très beaux. Et donc Tournier nous reçoit et on lui donne notre livre sur les haines d'écrivains pour présenter un peu ce qu'on a voulu faire, notre travail, etc. Et il nous dit, oh, les haines, les rivalités, non, 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 mais ça suffit. Vous allez me faire un livre sur les écrivains qui s'aiment. Et c'est ça qui est important. C'est l'amour, c'est l'amitié, etc. Et quelque part, cette injonction de Tournier, en plus, le pauvre avait une béquille ce jour-là, donc il menaçait sa béquille, il faisait tourner la béquille, il surjouait, quoi. Ce jour-là. Et donc, cette phrase nous a fait réfléchir, en fait. Elle a grandi dans notre esprit jusqu'à prendre la forme de la conviction qu'il fallait effectivement absolument revenir sur l'haine d'écrivain en explorant le versant amical de cette camaraderie. Et donc, le livre s'est mis à exister et il est devenu Le crâne de mon ami. Ce titre, ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, on n'aurait pas été capable d'une si belle trouvaille. C'est notre éditrice de l'époque qui l'a emprunté au chapitre qu'on consacre à l'amitié entre Goethe et Schiller. Donc deux grands écrivains allemands de la toute fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle. L'amitié de Goethe et Schiller est très forte. Il n'y a vraiment aucune ombre. C'était un cas unique où il n'y a pas de rivalité, pas de jalousie, enfin, une amitié parfaite, en fait, en quelque sorte, et très cérébrale. La correspondance entre Goethe et Schiller, c'est un sommet philosophique, c'est à la fois très philosophique, très ambitieux, et extrêmement concret, parce que tout en échangeant des considérations sur Platon et Homère, ils s'envoient des gâteaux, ils s'envoient des petites choses à manger, ils se donnent des nouvelles, enfin, c'est très, très charmant.
Et cette amitié est très belle, est interrompue brutalement parce que Schiller est mort très jeune, en 1805, à quelque chose comme 45 ans, enfin je ne suis pas sûr de la date, mais bon, une quarantaine d'années. Tandis que Goethe a survécu encore plus de 20, enfin, plus de 20 ans, jusqu'en 1832, parce que Goethe, pour le coup, est mort octogénaire. Voilà. Là, nous sommes en 1826, je crois. On est à Weimar, dans la ville, qui est aussi un grand-duché, le grand-duché de Weimar, où habite Goethe. Et Goethe, par ailleurs, est un ministre, et ministre du grand-duc de Weimar. Le grand-duc de Weimar décide de faire exhumer les restes de Schiller, qui entre-temps a été reconnu comme un très grand écrivain, un très grand auteur de théâtre notamment, faire exhumer les restes de Schiller pour les mettre dans la chapelle grand-ducale de Weimar. Une sorte de panthéon local, en quelque sorte, puisque c'est l'un des grands hommes de la cité. Le problème, c'est que Schiller a été enterré précipitamment dans une fosse commune, comme Mozart par exemple. Il est enterré dans une fosse commune, et quand on rouvre la fosse commune 20 ans plus tard, eh bien, on ne sait plus qui est Schiller. Et donc on fait appel à Goethe, l'ami de Schiller, qui descend dans la fosse commune, une espèce de caveau, etc. Il y a plein de squelettes. Enfin, il en tire un poème d'ailleurs, un poème horrifique sur le rapport au squelette. Goethe examine les crânes et à un moment dit, c'est celui-là. Il a probablement choisi, en fait, le crâne le plus gros, parce qu'on est à l'époque où on croit en la phrénologie. On croit en l'idée que l'intelligence d'une personne se mesure à la forme de son crâne, au bosse qu'il peut y avoir enfin, bref, on lit la psychologie et l'intelligence sur le crâne. Enfin, une espèce de pseudo-science à laquelle on croit très fort à l'époque. Enfin, bon, il croit reconnaître son ami en prenant ce très gros crâne. Et donc, le squelette qui va avec. Le squelette qui va avec est enterré dans la chapelle de Weimar. Le crâne, lui, est mis à part et il est censé être montré dans la bibliothèque du palais du grand-duc à Weimar. On doit y montrer le crâne du grand homme. Parce qu'encore une fois, la phrénologie. Et par exemple, le crâne de Descartes a connu le même type de sort, puisqu'aujourd'hui encore, on peut le voir au Musée de l'Homme à Paris. Bref, montrer le crâne du grand homme. Sauf que Goethe, qui est très important, très puissant, qui est ministre, etc., eh bien, demande à ce que ce crâne ne reste pas dans la bibliothèque publique, mais qu'il soit apporté chez lui. Parce qu'il veut garder son ami pour lui, en quelque sorte. Il ne veut pas montrer cette relique de son ami. Et comme c'est le ministre et que c'est Goethe, on ne peut pas lui refuser. Et donc le crâne de Schiller est conduit chez Goethe. Et Goethe fait placer le crâne sous une cloche de verre avec un petit coussin bleu, et il le met sur sa propre bibliothèque. Et donc il pouvait en quelque sorte continuer ce dialogue interrompu par la mort avec Schiller. Quelques années plus tard, Goethe est mort lui-même un peu après, donc le crâne a été enterré avec le reste, enfin mis dans la chapelle. Et pour la petite histoire, des analyses ADN ont été faites il y a à peu près 10 ou 15 ans, et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout Schiller, que ça ne peut pas être Schiller pour des raisons, j'ai oublié les raisons, mais Goethe s'est trompé. Donc ça ajoute quelque chose d'à la fois drôle, déchirant, absurde, ironique à ce crâne que Goethe tenait dans ses mains et qui n'était finalement pas celui de son ami. Ce que j'aime dans cette histoire, ce qu'elle montre aussi, c'est qu'en fait l'amitié entre écrivains ne s'arrête pas avec la mort. Goethe prolonge son amitié avec Schiller en gardant son crâne. Mais de la même manière, Montaigne écrit les essais de Montaigne, pour prolonger son dialogue avec la Boétie, l'ami légendaire. Parce que les œuvres de la Boétie, à la base, devaient être imprimées, éditées au milieu des essais de Montaigne. Montaigne conçoit les essais comme une espèce d'écrin pour l'œuvre de son ami. Et on a plein d'exemples comme ça, d'histoires bouleversantes, où des années après la mort d'un auteur, eh bien, le dialogue amical se poursuit. Je prendrai un dernier exemple. Chez Virginia Woolf, qui a eu une relation très intense, mais qui vire beaucoup à la rivalité aussi, enfin très, très ambivalente, avec Catherine Mansfield. Et Catherine Mansfield, comme Schiller, meurt très tôt, puisqu'elle meurt dans les années 1920, en France d'ailleurs, à Fontainebleau, à 34 ans, je crois, de la tuberculose. Bon, à cette date, Virginia Woolf et Mansfield s'étaient plus ou moins brouillés, alors qu'elles avaient été très proches pendant quelques temps.
Mais bon, après la mort de Mansfield, il est arrivé plusieurs fois à Virginia Woolf de faire des rêves très étranges, et qu'elle consigne dans son journal, c'est comme ça qu'on en a la trace, où elle rêve de son ami Mansfield. Et elle voit Catherine Mansfield vêtue de blanc, avec une couronne blanche. Et c'est très, très étrange et très déroutant. Une couronne qui fait penser à la couronne d'étoiles de la Vierge Marie, qui fait penser à la couronne de laurier du poète. Et à un moment, dans l'un des rêves, puisqu'il y en a plusieurs et elle les décrit en détail, dans l'un des rêves, Virginia Woolf lui tend la main et elle se serre la main, se serre la main par-delà la mort, comme s'il y avait une, je sais pas, à la fois la perpétuation d'une amitié et une forme de réconciliation par-delà la mort dans cette histoire. Bah, c'est très inspirant tout ça. Les gens ont bien aimé l'histoire sur le crâne de Schiller. Vous parliez justement du journal de Virginia Woolf. Ça m'amène à une question que je voulais vous poser. Quelles sont les sources dans lesquelles on trouve toutes ces informations sur les relations entre les auteurs? Bon, notre source première de lecteurs, ça a été des biographies. Mais bon, la biographie est un tremplin, le point de départ. Les vraies sources, dans une démarche plus sérieuse, en fait plus académique, sont les journaux intimes, les correspondances et aussi les souvenirs. Des souvenirs autobiographiques écrits par les auteurs eux-mêmes. Je crois, enfin, les Confessions de Verlaine, par exemple, mais aussi souvent des souvenirs écrits par des auteurs plus ou moins tombés dans l'oubli, ou simplement des gens qui ont été des témoins, qui ont été des éditeurs, qui ont été des journalistes. Il y a énormément de textes, en fait, il y a un corpus très large de recueils, de souvenirs, d'anecdotes, de témoignages sur les auteurs. Donc, en croisant les lettres, les autobiographies, les souvenirs, on trouve le matériau qui nous permet d'essayer de faire vivre, que ce soit pour les haines ou les amitiés, ces relations entre écrivains. Parfois, le matériau, c'est l'œuvre elle-même, dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, où la rivalité ou l'amitié avait donné lieu à des vrais textes littéraires. Il y a par exemple des poèmes, tout à l'heure j'ai parlé de César et Senghor, mais il y a un très très beau poème de René Char, que Char écrit après la mort de Camus. Camus meurt très brusquement dans un accident de voiture en 60, début janvier 60. Et René Char écrit un poème qu'il appelle L'éternité à Lourmarin. Et Lourmarin, c'est l'endroit où Camus avait sa maison et l'endroit où il est enterré. Je cite de mémoire, j'ai peur de déformer le poème, mais il y a quelque chose comme avec celui que nous aimions, le dialogue est fini, mais ce n'est pas le silence. C'est dit beaucoup mieux que ça. Hein. Mais il y a comme ces mots, mais ce n'est pas le silence. Et là, donc la source est l'œuvre elle-même, ce magnifique poème. Et on retombe en fait sur l'idée que j'ai essayé d'énoncer tout à l'heure, qui veut que la mort ne soit pas forcément un point d'arrêt aux relations entre auteurs. Alors, le point d'arrêt, ça vaut pour les amitiés, mais en fait, ça vaut aussi pour les haines. Hein. Souvent, les haines se poursuivent après la mort. Après la mort de Sainte-Beuve, Hugo continue à écrire des poèmes contre Sainte-Beuve, comparé à une araignée, enfin, plein de trucs atroces. Et encore, là, c'est le cas de figure où ce sont des auteurs qui se sont vraiment fréquentés. Mais il y a tous les cas où il faudrait envisager les relations entre des auteurs qui, chronologiquement, n'ont pas pu se fréquenter. Parce que des décennies ou des siècles les séparent, mais l'auteur le plus jeune va malgré tout se positionner par rapport à un auteur plus ancien, dans une forme d'amitié à distance par la lecture, une forme d'hommage, ou dans une forme de rivalité. Par exemple, les romantiques. J'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient tout le temps attaqués en fait, au XIXe siècle, mais ils le sont toujours au XXe siècle, les pauvres, par des gens qui n'ont pas pu les connaître biographiquement. Et je prendrai simplement un exemple qui est savoureux. Chaque année, je trouve un prétexte pour le montrer à mes élèves. C'est un jeu auquel se sont livrés les surréalistes en 1920. Bon, à l'époque, ils sont dadaïstes, pas surréalistes, mais c'est un détail. Parce qu'en fait, c'est Aragon, c'est Éluard, c'est Breton, enfin, c'est tous les grands surréalistes. Et dans ce jeu, qui est un jeu extrêmement potache, ces jeunes auteurs, qui ont tous 20 ans, quoi, s'amusent à mettre des notes aux auteurs du passé. Et ils les notent de plus 20 à moins 20, comme on pouvait noter des versions latines à l'époque.
Et il y a un grand tableau, une sorte d'ancêtre de tableur Excel avec tous les auteurs du canon et les notes. Et par exemple, le pauvre Lamartine, incarnation du poète romantique, eh bien, il a, quand on regarde le tableau, moins 20, moins 20, moins 20, moins 19. Enfin, la meilleure note, c'est moins 19, je crois. Enfin, il est extraordinairement saqué par les surréalistes qui se construisent contre le sentimentalisme facile, selon eux, d'un romantique. Je prendrai un dernier exemple. C'est Beauvoir qui raconte ça. Donc là, la source, c'est l'autobiographie de Beauvoir. C'est dans la suite des mémoires de jeune fille rangée, dans La force des choses. Et Beauvoir raconte que lorsqu'elle est avec Sartre à Saint-Malo, en Bretagne, et qu'ils vont sur le Grand Bé, où se trouve la tombe de Chateaubriand qui est mort depuis 1848, donc ça fait 80 ans, enfin je dis des bêtises, mais de grosses décennies qu'il est mort, eh bien, Sartre a uriné sur la tombe de Chateaubriand. Bon, il n'était pas, c'est un geste adolescent, hein, il n'était pas très âgé, il faut lui pardonner plein de choses, etc. Mais surtout, il faut comprendre que cet acte dirigé contre Chateaubriand est presque un hommage, en fait. C'est une manière de reconnaître l'importance de Chateaubriand dans le patrimoine littéraire. C'est un acte qui a la mesure de la fascination pour le grand écrivain. Si Chateaubriand laissait Sartre indifférent, il n'aurait pas eu besoin de faire ça. Voilà. Et donc ça se fait aussi par-delà la mort. C'est très intéressant parce que vous avez en partie répondu à une autre question de Oui. Clotilde qui vous parlait tout à l'heure d'entretenir un peu ses communautés, etc., de lecteurs, et qui vous posait la même question pour les amitiés entre auteurs. Est-ce que ça permet de se positionner dans le paysage littéraire? Vous y avez en partie répondu parce que vous disiez que justement les auteurs peuvent s'inscrire dans la lignée d'autres auteurs par ce biais. Oui, et puis même le jeu d'épître, par exemple, quand une épître, un poème adressé à un poème qui prend la forme d'une lettre, en fait, hein, une épître, c'est un poème lettre, souvent ça prend la place dans toute une stratégie au sein d'une école littéraire. Par exemple, dans les années 1820, les romantiques s'échangent énormément d'épîtres, mais c'est une manière presque d'inonder le marché, en fait, d'inonder le marché de la presse et des recueils en faisant apparaître les noms des romantiques, ces manières d'exister. Et donc, il y a une forme de camaraderie qui se met en place. Et c'est d'ailleurs à l'époque que le terme camaraderie est inventé. C'est un néologisme des années 1820. Il y avait le mot camarade, mais il n'y avait pas le mot camaraderie. C'est inventé par un journaliste de l'époque qui le considère comme négatif, ce terme. La camaraderie, c'est du marketing, quoi. C'est la stratégie qu'ont des poètes pour se faire mousser mutuellement. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Avec Mécagneux, j'ai les regrets de Dubellay au programme. Ben, il y a un poème de Dubellay, alors qu'on est au XVIe siècle, où Dubellay écrit à son ami Ronsard en disant que leurs ennemis leur reprochent de s'échanger des poèmes. Et donc, il met en pratique ce que les ennemis leur reprochent, et il prête la parole à ses ennemis qui disent que Ronsard et Dubellay, on dirait des ânes qui se grattent le dos parce qu'ils se. C'est entre eux, quoi. Ils passent leur temps à s'échanger des poèmes comme deux ânes qui se gratteraient le dos. Et après, Dubellay tourne en dérision l'accusation. Mais c'est déjà, en fait, une manière de se positionner sur le marché éditorial. Alors, une autre question, alors qui m'a été posée il y a un petit moment, mais j'ai pas eu l'occasion de vous la poser avant. C'est quelqu'un en fait qui vous demande ce que vous pensez qu'on peut apprendre sur les haines entre écrivains dans les illusions perdues de Balzac. Ah oui, c'est vrai. Alors, ils ont perdu Balzac. C'est un roman merveilleux. Enfin, c'est énorme et ça se dévore. Il y a un passage dans le roman où il y a une leçon de journalisme. Et un journaliste aguerri apprend à un jeune débutant comment se lancer dans le journalisme. Et le conseil qu'il lui donne, c'est démolir des auteurs en place. Et donc, on voit comment. La littéraire fait partie à la fois d'enjeux, parce que le texte explique que tu peux les démolir, mais juste après tu peux dire que tu adores, tout ça est irréversible, c'est un jeu qui n'engage que ceux qui y croient. Donc ça montre que c'est un jeu, mais ça montre aussi que c'est une manière d'exister dans le champ littéraire. Parce que attaquer quelqu'un, c'est aussi se faire remarquer. D'accord.
On apprend, ça aide un petit peu à relativiser et à humaniser un petit peu toute cette époque. C'est assez impressionnant. Je pense qu'on va pouvoir conclure avec une dernière question, un peu vaste peut-être. Comment est-ce que, quand on étudie des œuvres de grands auteurs comme ça et qu'on dispose de telles données, de tels faits, comment est-ce qu'on essaie de gérer le côté anecdotique de ces données et en même temps de ne pas leur donner trop d'importance dans l'analyse qu'on en fait. Dans le cas de l'enseignement ou dans le cas de l'écriture d'un essai, ou les deux? De les deux, les deux. Je crois qu'il faut ne pas avoir peur de l'anecdote, du petit fait vrai, comme disait Stendhal, la petite chose absurde, mais qui va donner de la couleur. Mais il faut savoir la laisser à sa place, c'est-à-dire au tout début, en fait. L'anecdote peut être le tremplin, le levier qui peut créer le désir de s'intéresser davantage à l'auteur et donc, en fait, à son texte, à ce qu'il écrit, puisque c'est là qui est le cœur, enfin, qu'est-ce qui compte, et pour un lecteur, et pour un enseignant. Il va de soi que tout est orienté vers la lecture du texte et l'admiration pour le texte lui-même. Mais enfin, l'anecdote peut conduire, peut amener, peut nous rapprocher un petit peu de cette admiration pour le texte. Donc, voilà, ce sera ma réponse au tout début, au stade de l'étonnement. Vous savez, c'est Aristote qui disait que, j'ai honte d'avoir des références aussi pédantes, c'est Aristote qui disait que la philosophie commence avec l'étonnement. L'étonnement, c'est le début de la réflexion. Et je trouve que l'anecdote littéraire peut jouer ce rôle de l'étincelle qui exprime qui porte l'étonnement, qui va conduire vers la réflexion et vers l'admiration. Donc, vous encouragez tout de même à t'intéresser justement à ces anecdotes, à essayer de chercher à comprendre Oui, comment tout oui. ça s'est passé finalement. Oui. D'accord. Ça fait un très bon mot de la fin en tout cas. Si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être pour clore à la fois la conférence et le salon, beaucoup de pression. Non, c'est une pression trop lourde. Bon, bah, je vais m'en occuper. Alors, je vais remercier tout le monde. Merci beaucoup pour votre invitation, merci pour le travail que vous avez accompli. C'était un plaisir Ben, écoutez, d'auditeur, merci à vous. spectateur, peut-être, je ne sais pas comment on doit dire, mais internaute. Enfin, merci beaucoup Et les de spectateurs, ben, merci effectivement à tous les spectateurs d'avoir été là ce soir et toute la semaine. Je vous rappelle avant de partir que vous pouvez gagner un exemplaire des Un entre écrivains, un exemplaire de Le Tu et le Vous dans notre jeu concours. Il suffit de liker et taguer deux amis dans l'interview d'Étienne Kern qui a été publiée hier. Les résultats du jeu concours et des jeux concours de toute la semaine seront annoncés demain soir. Et puis que vous pourrez retrouver l'intégralité des conférences très bientôt sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube des Plumes du Lion. Voilà. Merci à tout le monde encore. Bonne soirée, à bientôt. On espère que l'année prochaine, pour la prochaine édition, on vous verra en vrai dans une salle et pas sur un écran. Merci encore et à bientôt. merci beaucoup. Au revoir.